Le soir tard chaud, c'est maintenant. Non, ne tentez surtout pas de me faire l'amour. Alerte à la cochonne. Arrière, une nécromane. Oh non, vous ne tirerez pas la semence, mes joyeux intimes. Le soir tard chaud. Quand je pense à mes joyeux intimes, complètement inexploité en ce moment. Le dos d'Axel. Ouais. Comment ça va tout le monde? Ça va. Ça va. Oh. T'as les yeux rouges, mon ami Vincent. On a vécu un JT spontané. Mon ami Vincent. On a vécu un. Bon, moi, tu l'auras fait une fois, tu sauras ce que c'est. Et la prochaine fois, ce que je ferai, c'est que je t'enverrai. Des mots, voilà. Et ça ne s'appellera plus un JT spontané, ça s'appellera un JT. Donc vous mettrez le trésor, c'est un peu vite. On va jouer dans quelques instants au jeu de la patate chaude. Est-ce que, alors, quand j'ai parlé du jeu de la patate chaude à l'ensemble de l'équipe, beaucoup ont cru mettre ça dans la bouche. Ah, j'étais pas seule. Oh non, il y avait moi. Les deux gonzesses avaient dans l'idée de foutre ça dans leur bouche. Ça aurait pu être d'ailleurs. Hein. Moi, je me dis quoi, faut acheter des petites patates. Bah ouais, j'ai des patates à micro-ondes. Non, le but c'est qu'elles soient vraiment chaudes. La patate, hein, pas. Bah, faut quand même dire que t'as demandé, à mon avis, la même question aux deux filles. Les patates? T'es pas aux garçons, comment on les chauffe si ça allait être bouillant dans le micro-ondes? C'est possible. Non, moi tu m'as pas demandé. Ah bah moi c'est possible. Ouais, non, mais. Je t'ai juste mis le doute. C'est parce qu'on était on s'est vu en face à face. Et que peut-être je me suis dit, je vais lui poser la question de savoir si une c'était patate. C'était un appel. Est-ce que la patate est bouillante? Je lui ai quand même mis le doute, il a été revérifié les règles. J'étais à revérifier là où j'avais pompé une fois de plus le jeu. Et j'étais vérifié. Donc la patate chaude, c'est qu'on va se passer. Alors pour le coup, je vais participer un petit peu. Enfin, je sais pas, parce que faut que je lise les questions. Alors, c'est chiant hein, d'être à la place du booster. Bon, bref, il va falloir se passer la patate chaude. Au pire, même si je réponds pas aux questions, bah, je prendrai la patate pour te l'emmener. Et dès que vous avez la patate chaude bouillante entre les mains, vous devez absolument répondre aux questions. Donc d'accord. La question, c'est aux toilettes, j'aime. Et là on part, donc je sais pas, je dis j'aime péter, je passe la patate chaude, il faut que tu répondes, sinon tant que tu réponds pas, t'as la patate qui est censée te brûler les mains. Je dis bien censée, faut qu'elle soit bien chaude. Est-ce que tu as compris le jeu? On t'a appelé les pompiers, comme ça. Quand Stéphane il va se brûler. Stéphane, tu vas aller? Ça va aller. Ok. Tu joues quand même au jeu? Stéphane, rappelle-toi que le jeu débile, il va falloir que tu joues la joie. Fais-moi la joie. Non mais au son. On est à la radio. T'inquiète, j'ai mon idée. Ok. J'ai hâte parce que je pense qu'il va se surpasser. Il va s'épater. Alors les patates, où elles en sont? J'ai l'impression qu'on est sur la 10 minutes de... Je vais aller voir, j'avais mis 3 minutes très cher. C'est vrai et ça fait pas... Ah oui, dans 5 secondes. On va pouvoir faire une raclette. Tu me dis si tu les trouves bien chaudes ou pas? Oui, oui. Faut bien que quelqu'un commence. Ah, il crame toi, comme ça, on en parle plus. C'était chaud. C'est chaud. C'est pas mal. Tu peux me donner les patates, on va commencer vite, du coup. Oh là là. Merci beaucoup. On aurait dû en garder deux autres là-bas pour mettre à chauffer en pendant. Merci de me l'avoir dit avant. Tiens, je te laisse les 200, mais je garde le... Je suis un enculé. Allez. Elle court jusqu'au micro-ondes pour mettre la patate pour qu'elle reste bien au chaud. Et, là, c'est brûlé. Et on va commencer le jeu. Bah la question... Oh, yeah, yo, t'inquiète, la question aux toilettes. Ah, aux toilettes, qu'est-ce que tu aimes? J'aime chier. Qu'est-ce que tu aimes? J'aime quand ça coule et faire un perfect. Oh. Ah oui, j'aime aussi. J'aime me torcher. J'aime faire pipi. On aime tous se torcher. Regarder des vidéos. Ah bah oui, regarder des vidéos. Oh. Ah si, quand même, ça brûle. J'aime. M'essuyer le cul, me gratter le cul. Hop. Bon bah, faut rattraper la patate. Je te laisse. Oh, c'est de la purée. Non, elle est encore vivante, est-ce qu'elle est encore chaude? Des pommes de terre. On va changer le jeu, on va serrer les mains. Au moment. Cours de merde. Ah putain, ça brûle quand même. Au moment où vous avez la patate sur vous, faut la serrer dans les mains et donner la réponse. Comment je fais avec mon micro? Comment? Bah, je vais te le tenir ton micro. Y'a pas de problème, chérie. Je vais te le tenir sans problème. Prochaine. Ah putain, ça crame. Tiens, tu vas commencer pour le bébé, hop, rien branlé, donne-moi ton micro, ah, hop. Allez, aux toilettes, j'aime pas. Je sais rien. Il a eu peur. Ah. Qu'est-ce que t'aimes pas aux toilettes? Bah avoir la chiasse. Ok, oui. Allez, on serre la patate, aux toilettes t'aimes pas? Vomir. Ah oui, c'est vrai, ça me fait mal au cul. Aux toilettes j'aime pas. On serre la patate. Ah, j'aime pas.
plus que j'aime pas. J'aime pas quand les enfants ils me suivent. Ah, on serre la patate, on serre fort. J'aime pas être constitué. Ouais, bon bah c'est. J'aime pas passer derrière Seb. Ok. J'aime pas quand un cul de PQ. J'aime pas quand ça coule jaune. Ok. Ah, c'est fini, ok, d'accord. Mais pourquoi quand ça coule jaune et tu la donnes à Nivek? Je rappelle que pour nos amis qui nous découvrent, Nivek est asiatique et donc par de droit, il est jaune. Il n'est pas blanc. Allez, le... Ouais. Il y a encore pour longtemps. Ouais. Il y a encore ça. À toi, j'ai hâte que ça arrive à Nivek. Ça, c'est bouillant. En levrette, qu'est-ce que tu aimes? Aïe. On serre, serre la patate, serre la patate. En levrette, qu'est-ce que tu aimes? J'aime bien regarder la... Allez, dis-le que t'as tiré les cheveux, putain. J'aime bien tirer les cheveux. Bah, j'aime bien faire tirer les cheveux. T'aimes bien te faire tirer les cheveux ou tirer? Non, j'aime bien tirer les cheveux. Ah, d'accord. Bah, moi, j'aime bien faire tirer les cheveux. Stéphane, on serre la patate. J'aime bien entendre crier. Ouais, bon. Oui, ça veut dire que tu fais quelque chose. Ah, j'aime bien Laura. Quand ça tape dans le fond. Oh, ouais. Tape dans le fond, je suis pas de mer. Bah, j'aime bien taper dans le fond. Hey mec. J'en sais rien du tout. Merci beaucoup. C'est vrai qu'en même temps. T'as vu, on sent la cohésion des binômes un peu. Oh si, en levrette, j'adore mettre des grosses fessées. Moi, je sais pas pourquoi j'aime bien ça. Oh, on en fait une, on arrête là. On a encore le temps ou pas? Ah oui. Ouais, mais... Elle est encore chaude. Le mec il est vert. Non, 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 là je commence à pouvoir serrer, regarde. Bon, à un moment donné ça va me cramer quand même. Attends, la gueule. Et tant pis, on a continué avec celle-ci. Bah, on va voir. Bon, non. Ça, parce qu'il faut pas avoir le truc chaud dans ses mains. Ah ouais, mais ouais, si, ouais. Parce que sinon, tu sais, ça perd un peu. Je déteste. Là, regarde, ce qu'on va faire, c'est que celle que tu vas sortir, Hélène, on va la rajouter avec celle que j'ai dans les mains et vous allez les serrer à chaque passage. Réfléchissez à. Qu'est-ce que vous aimez pas quand vous vous lavez? Donc attendez hein, que la patate arrive. Hein. Oh là là. Ah, j'ai pas dit que le jeu était intelligent. Hein. Qu'est-ce que vous n'aimez pas quand vous vous lavez? Ouais. Bah me laver. Ah, ah d'accord, le monsieur pue tout le temps. Il pue, il pue. Vas-y donne, non, on va essayer comme ça. Oui, bah donne, t'es gentil toi. Ah oui, ah pardon, oui, j'avais oublié. Oui, c'est vrai, j'avais un peu zappé que... vous êtes prêts? Ouais. Quelle saloperie, bah. Ah, ah, sa mère en string. Ah, ah, tiens. Ah, putain. Allez, on... Je suis désolé, je voulais pas te mettre... Arrière, se dépêche. Allez, gros, toi. J'aime pas l'eau bouillante. Attends, 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 t'as mis celle-là aussi. Serre-moi. C'est la question, j'ai... Qu'est-ce que t'aimes pas quand tu te laves? J'aime pas que le mec il frappe parce qu'il a envie d'aller pisser. D'accord. Qu'est-ce que t'aimes pas Stéphane? Quand il fait froid. Oh oui. Laura, qu'est-ce que t'aimes pas? Quand les filles elles ont vidé le ballon d'eau chaude. Ah bah oui oui. Vince. Quand le charge garde. Transpire après la douche. Ah oui bah c'est complètement con hein. J'aime pas j'aime pas. Ah. Tiens. Ton putain de micro de merde. C'est la dernière, après on arrête là. Ça fait mal. Je sais pas, ah, je sais pas vous faire foutre Stéphane à trappe. Moi j'aime pas quand il y a les araignées qui remontent. Ok, non mais c'est fini, c'est fini. Oh la vache, elles étaient là, la prochaine fois on fera avec trois. Oh la vache. Ou on le refera pas. Mais ouais. Putain, on a mis des patates partout les gars. Putain, j'en ai sur mon écran. Ah bah bravo. Ah putain, Patrick, je suis désolé. Là, on a ruiné le... En un jeu. Ruiné le studio, alors, ça y est. Allez. Putain, faire le allez, je ramasse mes patates. Patrick, c'est pour toi le ménage. C'est des gouttes. Qui a pas assez mangé ce midi? Non, ça y est. Non, mais on va rester sur le principe des pommes de terre au micro-ondes parce que ça chauffe bien. Tu peux te dépêcher, parce que c'est pas assez chaud. Ça chauffe assez, d'ailleurs. Quand tu te laves, t'aimes pas qu'on te regarde? Bah, j'ai pas vu, il y a le chaud. J'ai pensé qu'à ça. On t'entend pas, t'as pas de micro Non, il apprend où sa douche, Chris. Bah, il apprend. La suite de l'émission, ça va être l'appel débile qu'on va faire avec Stéphane, la règle du jeu aujourd'hui. On va appeler des hôtels, je vous explique ça dans un instant, vous restez là, vous bougez pas sur TSO Radio. TSO Radio, la radio de l'attirage Sambre-Loise et au-delà.